Ils sont plus d'une centaine à avoir répondu à l'invitation de Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen. La salle municipale a du mal à contenir ses habitants, des voisins, des enseignants, des parents d'élèves, certains très remontés. Ça fait 5 ans qu'il y a des squats, ça fait 5 ans que Sécuritas ne vient plus, on le sait ce que vous n'avez pas fait. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas eu l'évaluation, on va dire, systématique de la nécessité de relogement? Les pompiers étaient au courant que le gymnase était ouvert. Il y a eu des relogements pour les gens. La meilleure preuve. Alors on nous dit que ça va coûter, que ça aurait coûté cher de faire les choses, mais aujourd'hui ça va coûter combien tout ça? Face à la colère et au stress des riverains, les élus tentent de justifier leurs actions, notamment depuis la découverte hier d'amiante dans l'école. Si cette troisième campagne détecte de l'amiante dans l'école, mais il est possible aussi qu'il y en ait ailleurs ou autour. Donc il faut évidemment faire des vérifications ailleurs ou autour. C'est ce qui est en train d'être fait. Des traces d'amiante retrouvées 8 jours après l'incendie, qui aujourd'hui effraie. J'ai peur de remettre les pieds dedans, que ce soit pour ma famille, pour mon enfant, parce que les retombées, ce n'est pas maintenant. Là, on peut dire qu'il y a 0 victime, mais moi, mon enfant, dans 10-15 ans, qu'est-ce qui va devenir? Aujourd'hui, on nous dit que c'est sécurisé parce qu'il y a 5 personnes de sécurité. C'est totalement fou. Vous venez à 1h, 2h du matin, ils dorment dans les voitures. La nuit, ils coupent les lumières, donc c'est nuit noire, vous pouvez vous introduire comme vous voulez. Et voilà, il y a eu des manquements qui ont été faits. On nous dit dans des semaines, dans des mois, etc. Mais on n'a pas de calendrier, pas de jalon, rien du tout. Et donc en fait, on est un peu les bras ballants en train d'attendre, quoi. Une nouvelle campagne de prélèvement a donc commencé. Elle concernera l'espace public, mais aussi pour la première fois, l'intérieur des logements les plus proches. Stop, stop, stop.